Bon alors, papy, progressons, allez saluer votre grand-père. Vous pouvez parler à des personnes dans votre ferme, à des endroits spécifiques sur la carte, appuyez sur le bouton pour leur parler. Quel bouton? Activer la lampe torche. Démarrer la conversation R. Bienvenue dans notre jolie ferme, mon enfant. Je ne vais pas te mentir, que tu t'apprêtes à reprendre l'exploitation, ça me fait chaud au cœur. Bon, c'était ça où aller à l'armée, hein, donc bon. Ah, c'est quelqu'un qui voulait racheter sa ferme, ok. It's okay that he does his own thing, but I thought I had to sell the farm. Thanks to you, it can stay in the family. Bon, rester dans la famille, après si on me propose un petit million ou deux, il y a moyen que je la vende ta ferme, papy. Hein. Faut pas déconner. Hein. Ah, grand-oncle aurait pu faire un parc d'attractions. Ah non, ça j'ai déjà. Non, j'ai déjà un parc d'attractions, maintenant je vais avoir ma ferme. Pour diversifier ses investissements. Tel un bon investisseur. I'm here if you need me. Just like your friendly neighbors, you should talk to sometime. They're nice people. A bit strange. Bon, ok. Alors, tu veux... Ouais, je te... Vas-y, fais-moi la visite. Très bien. Je te laisse montrer deux ou trois choses histoire de te mettre en jambes. Vas-y, papy. Il y aura d'autres gens pour t'aider, mais c'est toujours bien de vouloir faire les étapes par toi-même, ok? Juste à côté de la ferme, on va travailler sur un champ. Il y a aussi un gros tracteur avec un cultivateur. Je t'explique comment le faire fonctionner. J'ai hâte de te voir commencer. Progression de la visite. De retrouver votre grand-père à la grande droite. À votre droite. À la grange à votre droite, ok. Planète Coaster égale, même jeu, en gros c'est un agriculteur qui t'a vendu les terres. Qui sait? Mais qui sait? Ça se trouve c'est Papy Walter. Papy Walter, il nous a vendu son terrain en fait. C'est un multiverse. Putain, j'ai pas écouté ce qu'il m'a dit. Visiter le tracteur, c'est quoi ça? Réparer? Allez dans votre... Ouh! On a The Tractor. J'ai l'impression que la chance était un certain Matic. Bon, là où il y a du fric à se faire, je suis là. Vous devez monter dans votre véhicule. Just like that. Exactly. Ok. Now we do the work. Conduisez jusqu'à la zone marquée de voiture et expliquez votre première tâche. Accélérer, freiner. Ouh là, moi dès qu'il y a un véhicule, ça pue. Après là, ça, avec un tracteur, avant de faire un accident avec un tracteur, faut y aller. Ce tracteur pépouse là. On va où là? Hop, le burn! Bonjour monsieur. Pour pouvoir semer quoi que ce soit, il faut éliminer les résidus, puis labourer et préparer le champ pour la prochaine saison. Sinon les céréales risquent de ne pas bien pousser. Ah mince. Abaisse le cultivateur et avance tout droit, c'est simple comme bonjour. Pour utiliser vos attelages, vous devez d'abord sélectionner et les mettre en position de travail. G. G et V. Ah ok. Cultivateur, lever cultivateur. Et c'est quoi G? G, y'a rien en G. Après on fait quoi? Progression du champ. Oh putain, faut tout cultiver là. Allez mon gars! Faut tenir... Oh là là là, on a fait ça toute notre vie. Merde. Ah ouais, là on va devoir cultiver tout le truc, ok. Quand même. Ça fait quoi pendant tes vacances? Oh, bon, j'ai cultivé une ferme. J'ai créé un parc d'attractions. Allez au boulot. Est-ce que là je pète le chemin en faisant ça? Ou je le relève, vous pensez? Attendez, attendez, attendez. Allez, demi-tour toute! C'est grave si on laisse une petite parcelle sans...
le pire conducteur. Eh les gars, vous allez vraiment croire que je sais pas conduire, alors qu'en vrai je sais conduire, c'est ça qui me rend ouf. C'est que là, tous les exemples vous prouvent le contraire. C'est en même temps, avec un clavier, conduire un tracteur, je voudrais bien vous y voir. J'ai toujours dit qu'il me fallait un volant. Bon, et au pire on fait ça, comme ça, et après, hop, regardez, j'ai l'expérience. T'inquiète. Et il va vite en même temps, 15 km/h, c'est une bête, hein. C'est un pur sang, hein. Regardez, c'est écrit Mustang devant, là. C'est un tracteur pur sang. On n'en fait plus, des comme ça. Ah oui, merde. Irel, oui, tu devras relever la machine. Ah, quand tu vas dans la... Là, ça l'abîme pas. On peut pas passer la deuxième, là. Ah, ok, on a la jauge de réparation à droite, là. Et l'essence a encore à droite. Oh, ok, on n'utilise pas d'essence pour l'instant. C'est le tuto. Ah ouais, la marche arrière un peu des... Ah, tu vois. La remorque, là, se... Comment ça s'appelle, là, se... En vrai, graphiquement, c'est pas dégueu, hein. Non ? On a joué à des simulateurs bien plus pourris. Hein. Tu as juste cassé. Ah ! Oh, belle ! Attends, quoi ? Bah non ! Je peux pas la relever plus que ça. Klaxonner, modifier la taille de la carte, activer le régulateur. Ah, changer de vitesse ! Ah, là, je suis à fond, je crois. Bah non, je suis pas à fond. Ah bah voilà, là on accélère. Wouhou. 40 km/h. Ah, petit drift. Voilà. C'est grave d'aller trop vite. Ah mais ok, ça se fout. Quand on est en comme ça, on peut pas aller aussi vite. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est précis de 98% en fait. Faut vraiment faire tout le champ. Ok. Bon, j'ai mal roulé en fait. Il reste des petits bouts. On va tout de suite. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas aller plus vite quand même. Là j'avais oublié un petit peu. Et là. Voilà. Oh, ok, bon il en restait un petit peu quand même. Maintenant on revient au garage et sort le semoir. Ok. Levez l'outil. On lève l'outil. On embraye. Elle est où? Ah merde, je crois que je suis pas allé au bon endroit. Bon, on fait le tour de la propriété, comme ça je vous montre un peu les lieux. Conduisez jusqu'à votre ferme et saluez votre grand-père. Ah. Ah, oh. Ok, on peut mettre les feux là comme ça. Comment on descend de ce rafio là? Klaxonner, choisir la caméra. Ah, je peux...
ce soit ton conducteur comme ça. Comment on sort là-dedans? Il sait même plus. Comment je suis monté dans ce tracteur? Ah ok, avec 9, grande carte. Ah ok d'accord, fallait juste rouler dedans. Détacher, ah ok, faut que... De pouvoir atteler le semoir. Ok. Ah c'est pas mal, t'as la petite animation là de changement de vitesse. On est bon. Atteler l'équipement. Ah, ok. La machine a ensemencé que tu viens d'atteler vide. Ne t'en fais pas, je viens d'aller au magasin. À côté de l'abri, tu trouveras un big bag de graines. Remplis le semoir. Bon, c'est l'emplissage. Elle est où ma jauge de remplissage? Ah ok, j'ai même pas besoin de descendre mon tracteur. Les champs labourés sont prêts à être ensemés, c'est assez simple. Conduis la machine jusqu'au champ et retrouve là-bas. J'apporterai le colza. Ah, j'aime pas l'odeur du colza, t'as pas autre chose? Je suis pas fan. Nous y voilà. Elle doit être plantée à certaines périodes de l'année. Le meilleur moment pour planter le colza, c'est au bio milieu de l'été. Sinon, mieux vaut opter pour une autre culture. N'hésite pas à consulter le calendrier des cultures. Il faut d'abord préparer les semoirs. Il y a toutes sortes de graines dans le big bag. Récupère les graines de colza. Sélectionnez la semence. On a de l'orge, de l'avoine, colza. Ça dit, il est important de suivre la ligne droite pendant... Non, un moment de passage. La graine a rempli à nouveau la machine. Ok, mais pour l'instant, tu peux te servir des réserves disponibles. Tu n'as qu'à allumer la machine et abaisser le sol. Modifier l'outil. Activer l'outil. Avec G, je sais pas ce que j'ai. Ok, alors attendez. On est à quel mois là? On est mois d'août. Mois d'août, c'est ok, non? Pour... Et comment je vais sur mon menu moi en haut là? Là on est au... Ah non, ok, on n'a pas besoin d'aller au menu. Donc là on est au mois d'août. Et comment on voit du coup Tatatitata. Alors, blé. Orge, colza. Pas de colza. De culture, croissance, labourer, récolter. Ah bien ça, labour superficiel, travailler, labourer, lit de semences, croissant en cours, près de récolte, récolter, retirer les fanfanées. Ah. Mauvaises herbes. Pierre, doit être plombé, paillé instant. Il y a plein de vocabulaire que j'ai pas là. Ah, on a des ouvriers. Ah, j'aime bien ça. Bon, pas tout de suite. Du coup, on a pris quoi? Je sais même plus. On peut pas changer le semoir, merde. Modifier, klaxonner, choisir. Comment on... Baisser l'équipement, commencer l'emplissage atelier, détacher, modifier, sélectionner G. Lever l'outil, pour pouvoir vos attelages, conduisez, monter votre tâche. Allumer votre machine, parcourir les graines. Ah, sélectionner la semence Y. Ah, je peux plus la sélectionner? Normal.
Bon, moi je sais pas ce qu'on sème, mais on sème. Hein. Colza. Allez. Rejuju. Progression du champ. On sème là ou... Le vaisseau moire déchargé I. Oh merde! C'était pas ça. Je vais mettre la bâche. Au pire le semoir. Ah! Faut mettre la bâche. Boum boum boum. Décharger I, donc non. Lever le semoir, non. Désactiver le semoir. Là, on sème là, du coup, on est d'accord. Ah oui, ok. Let's go. C'est tout? Fred garde toujours un œil sur la météo. D'après les prévisions, il va bientôt pleuvoir. C'est parfait pour le colza, mais pas tant que ça pour le blé sur l'autre champ. Si jamais un moment tu veux embaucher un ouvrier pour t'aider, tu peux. On a fini ici, l'ouvrier va s'occuper du reste. Ah bon? Embaucher un ouvrier pour vous aider à cette tâche. Ah, là on nous parle. Bon, exploiter les gens, c'est mon dada. Mode ouvrier, tenir H. Paramètres de l'IA, direction assistée. Largeur de travail auto, 89. Ouais. Good job. Field workers are a great support if you're busy and cannot finish the job in time. Now get back to the garage, get out the harvest. Enfin, je touche plus à rien, ça fonctionne tout seul. Let's do it quickly. I'll meet you there. Qu'est-ce qui branle? Vous pouvez soit marcher jusqu'à un autre véhicule, soit changer pour gagner du temps. Appuyez sur le bouton pour changer de véhicule. Mais c'est moi, il fait de la merde l'ouvrier là. Il me fait qu'une petite partie du champ. Ok. Je sens d'attaque, il est temps de nous atteler à la récolte. Il y a un champ qui me tend les bras, on y va. La barre de coupe de la moissonneuse se trouve sur la remorque arrière. Rendez-vous sur le champ d'accord, mais vas-y doucement, cette machine ne fait pas semblant. Ah oui, ça a l'air d'être une grosse machine ça. Conduisez jusqu'au champ et saluez votre grand-père. Hop là. Oh, l'accident est pas loin. Ah, oh, on aurait pas dû reprendre du vin au dessert. Oh, mais il est loin le champ là. Nous fait papy là. Orange, on se traîne. Hop. Hey, Pepe. So, let's do this. Avec une moissonneuse batteuse, la barre de coupe de franche. L'argent de la barre de coupe varie selon le type de machine. Détache la remorque. Ensuite dirige la partie avant la moissonneuse batteuse à la barre de coupe pour l'atteler.
Ouais. Avancez doucement, la moissonneuse batteuse vers la barre de coupe. A terminé son travail. Non, c'est pas là. Hein. Je pensais qu'il fallait aller à l'arrière, mais non. Regarde la vie que j'ai fait sur YouTube, Benji, si tu veux. J'ai donné la vie en long, en large, en travers. À l'avant, BG, bah oui, mais c'est ce que je fais, mais pourquoi il. Ah, mais à l'avant là? Ah mais attends, l'attelage il est là. En fait je sais même pas pourquoi je l'ai enlevé. Attelage non autorisé. L'avant du tracteur. Ah faut à l'avant ici en fait. Ah en gros je l'ai ramené en mode remorque et après la faut l'utiliser en mode moissonneuse, c'est ça? Que je l'ai pas pris encore du bon côté. Ok. Ah, la... mais oui, je suis con, putain. C'est bon, I understand. Ah, bon. Si j'étais bloqué, j'esquive le A. Ah. Non, là, ça a l'air d'être bon. Atelier l'équipement. A. Ah. Boum. Ok, j'ai compris. Ouh. Ah, faut faire maths sup, les gars, pour. Ok, déplier ou replier l'outil sectionné. C'était si simple en plus. Ah bah, tu sais, on n'est pas tous doués comme moi, Balrog, hein. Y a pas de galère, on n'a pas tous mon talent. Heureusement qu'il y avait 4 dessus en vrai. Tu peux voir le champ, j'ai du mal à tenir debout tout à l'heure, alors je préfère te laisser t'en charger. Je sais que tu voulais te faire la main, de toute façon, tout ce que tu as fait, c'est de conduire la poissonneuse dans le champ. Et en avant, Guingamp. C'est un breton, le mec. Attends, activez la moissonneuse. Oh. De cette taille prend du temps, mais tu pourras en acheter une plus grande. Ah, let's go! Ah, le pire, c'est que je suis quand même natif de la campagne. Hein. C'est ça qui. J'ai mes cousins bretons qui sont dans une ferme en plus. Ils travaillent dans la ferme. Mais bon, j'ai pas trop hérité de ce talent-là. Baisser la barre de coupe. Voilà, là on va tout péter, c'est parti. Oh non, il y a de la prod en moins. Il y a du fric. Mais on n'est pas censé avoir une remorque. Ça attend le. Ah mais après on fait des. On va devoir faire des. C'est assez bien foutu en vrai. Hein. Du coup là c'est grave. C'est très grave. J'ai jamais été manuel, hein. C'est pour ça que je me plais bien à Paris, les gars. J'ai jamais été trop là-dedans. Ah, tu dois revenir avec un autre acteur, j'imagine, pour faire les petits ballots de paille. Alors, ceux qu'on jouait déjà aux anciens, graphiquement, c'est un peu mieux ou c'est toujours pareil? Ah, je sais pas si on peut faire un demi-tour. J'avoue qu'on en aura un plus gros, ça va être... En plus on va 10 km/h. Super.
peux directement mettre dans une benne. Ouais, c'est ça, mais il faut deux tracteurs et une remorque. Ouais, c'est ça. Là, je peux pas. Ok. Ah, t'as jamais joué au jeu. Mini amélioration, mais rien de fou. Ok. Après, moi, c'est mon premier, donc j'aime bien en vrai. C'est quand même un mec qui se barre de la campagne pour aller à la ville pour jouer à un jeu de ferme. Va comprendre la logique. C'est le nuage magique tranquille. Allez. On reprend. Attends, vivement qu'on ait des vraies machines. Hein. En revanche, l'ouvrier, j'espère qu'il a pas fait de la merde. J'ai l'impression qu'il a fait n'importe quoi là sur le colza. Moi, j'aime pas ça, hein. Je veux des ouvriers qui travaillent bien. Tu m'as regardé quelqu'un jouer, jouer moi-même. Ah, ok. J'ai bon écho sur la licence, ok. Bah, je pense que c'est. Vu la licence sur le. Depuis le temps qu'elle dure, normalement, ça devrait être limite la référence, tu vois. Ah ouais, bon en fait on peut se mettre un peu de musique finalement. Je pensais qu'il allait avoir une petite musique de... musique de fond, mais pas du tout. Je crois pas qu'il y ait de... Si, il doit avoir, mais moins bien fait, moins bien avancé, moins bien poussé. Vous avez vu ce cow-boy beau gosse là? Pas de radio dans le tracteur. Ah oui, c'est vrai qu'on peut se mettre en mode... Ah, c'est mieux comme ça. Une petite radio, non, il y a plein de boutons. Nice one, kiddo. That... Prepared. Ah, j'ai beau cliquer. On doit aller où là? Déplier la vis de déchargement. C'est quoi ça? Ah, c'est ça. Ah, et là, j'aspire. Non. La vis de déchargement va se déployer. Le blé va se déverser automatiquement. Ok. Bah oui, il nous manque une remorque, mon ami. On va chercher la remorque dans le garage. Ah. C'est parti! Oui, ça crache à côté, on est d'accord. J'allais dire, si ça aspire le blé, c'est fort. Et c'est bien ce qui me semblait, mais vu qu'il manquait la remorque, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse avec ça sans remorque? Surtout qu'on a gâché la moitié, là. Salut, papy. La trémie de ta moissonneuse amène la remorque. Quand la remorque est dans la bonne position, juste dessous la vis de déchargement, la moissonneuse se mettra à se décharger automatiquement. Ok. Attendez, ce moi les manœuvres, ça fait deux. Oh merde! Oh attention, papy! Oh putain! On a failli avoir l'héritage plutôt que prévu. Hein. Bon, bah, on a déjà la ferme. C'est un jeu solo, mais je crois que tu peux jouer en multi. Oh, t'aspires tout, c'est vrai. C'est conduire le tracteur avec la remorque. Maintenant, on conduit jusqu'à l'élévateur à grains pour vendre le blé. Ah, on vend le blé, on fait pas notre pain, on vend juste la matière première du coup. Conduisez jusqu'à l'élévateur. Okay. Oh putain, 1 km. J'espère qu'on peut mettre la seconde. J'aime bien ce jeu, c'est très chill pour l'instant. C'est posé.
Après, je pense qu'on va pouvoir avoir du bétail, on va pouvoir avoir des animaux, j'imagine. Acheter plus de parcelles. Le Quimpel gestion. Ouais, ça manque un peu de vie. Ah si, là, il y a une voiture. En même temps, on est dans notre ferme, donc heureusement qu'il n'y a aucun PNJ, parce que... On est dans une propriété privée, quand même. Attends, stop. On marque l'arrêt 3 secondes. Attention, panneau. C'est ok, c'est ok. Ah, j'ai pas pris la bonne route, j'ai l'impression. Ouais, on roule à gauche. Ouh, un bus scolaire. Bonne journée, le nuage. J'espère que t'es arraché le panneau tout de suite. En même temps, le tournant, il est vénère un peu. Hein. C'est de... Oh merde. Dis en clavier souris, le... c'est pas évident. Allez, accélère, Marcel! Magdon Pack. Oh là, 40 km/h, on se traîne. Allez hop. On vérifie pas notre angle mort, c'est pas grave. Voici l'un de mes nombreux points de vente, comme ça tu peux les vendre plus tard. On va le décharger, emmène la remorque dans la zone de déchargement. Attends, je crois que j'ai oublié une phrase. Bon, j'ai loupé une phrase. Mince. Vous pouvez soit stocker votre récolte dans un silo de la ferme, voilà, soit la contenir en argent. La convertir en argent. Dans l'un des nombreux points de vente de la carte. Maintenant, déchargez votre remorque pour vendre votre récolte. Commencez le déchargement. Oh, putain, je me crois dans Fort Boyard là, avec les pièces. On n'a plus grand chose. On a gagné que 1000 balles. Oh là là. Je gagne des millions sur Planet Coaster et là on gagne 1000 balles. Comme quoi mon investissement sur le parc d'attractions, c'était peut-être mieux à faire. Là faut aller où? Faut retourner chez nous? Conduisez jusqu'à votre ferme et saluez votre grand-père. Ah, il me laisse en plan là. Taille de la carte. Je me repère pas du tout. Dans notre ferme, c'est où? C'est le. Ah, souris. Allez-y, monsieur. Normalement, on est arrivé de par là. C'est quoi en haut à droite à côté de l'heure? En haut à droite. Ah, c'est YouTube. J'ai 0.5. Pourquoi j'ai le logo de YouTube? On est influenceur, fermier influenceur? J'ai quoi comme config de... Et j'ai changé mon titre de stream les amis ou pas? Je sais même plus. J'ai pas tout à l'heure pour le level up. Sky aussi. Wow, Balrog. HM Raw. Donc config PC, j'ai une 4080. Je crois que c'était là qu'on devait tourner. Et j'ai une i14K900, je crois. Je sais pas ce que c'est, ouais, le truc YouTube. Hein. Vous savez dans le chat? On n'a pas beaucoup de panneaux. Faut être bon en orientation.
Ah, il est ici notre silo, ok. C'était le véhicule. Vous pouvez parler à des personnes de votre ferme à des endroits spécifiques de la carte, blablabla. Ok, mais ça on a compris. C'est de retour splendide que je commençais à me demander si tu n'avais pas rejoint ton père. Père ? Comment ça, mon père ? Plus important sur un champ, il y a toujours quelque chose à faire comme améliorer le rendement, chôler, prendre de l'engrais, désherber. Des équipements spéciaux. À présent, il faut que tu fasses la main, se faire un peu tout. Je vais te laisser tranquille pour que tu puisses ce que tu veux. Je ne voudrais pas voir pour ton papy dans les pattes, pas vrai. Ah ouais, tu sous papy, non. Si tu veux des infos plus détaillées, tu peux aussi demander à Ben. C'était l'un de mes ouvriers les plus dignes de confiance autrefois. Il sera ravi de t'expliquer un tas de techniques agricoles. Maintenant, revoir un tas de fumier qui disait tu t'en sors bien. Cette ferme est à toi. Let's go. On a notre ferme. Bon, bah voilà. Il est où notre entrepreneur qui voulait nous racheter le terrain là pour 1 million d'euros? Il est où l'agent? L'agent immobilier. On revend direct. Oh, j'ai soif, j'arrive. Alors, on a notre ferme. Ouais, comment on va améliorer les récoltes ? C'est peut-être l'avancement, c'est pas YouTube. C'est peut-être l'avancement de la partie. Là, on est en plus rapide, je sais pas. Alors, on a quelle période ? Là, on est mi-août, c'est bien pour le blé. C'est saison de récolte, c'est saison de plantation, colza. Ok. C'est quoi les prix? Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Récompense de contrat. J'ai l'impression qu'il va falloir faire quelques contrats pour se faire un peu de thunes au début, hein. Trois vaches, nourriture, capacité totale, ration totale mélangée, prêt, santé, reproduction. Oula, il est vieux lui, 50 mois, non? Disponible. Ouais, le tuto est très petit, hein. L'avoine, la carotte. Le blé, il se casse la gueule. Oh, la crise, c'est la crise. Le colza, il se casse la gueule aussi. À vendre. Ah, ok, il y a des prix différents en fonction des points de vente, ok. Copeau de bois. Ah ouais, il y a 1000 trucs. Tissu tomate. Ok, après on a quoi là du coup? Disponible, vêtements, marquer l'endroit, menu. Attends, quand on peut acheter un magasin de production? Ah ok, on va pouvoir acheter des trucs, des boulangeries, ah, en fonction de ce que l'on a, et du coup on pourra faire nos propres gâteaux, nos propres trucs. Ok, ah c'est pas mal ça, de ce que je comprends. Là c'est quoi, c'est les contrats, là c'est les animaux, bon, je sais pas trop comment ça fonctionne.
Là, on a du blé. Alors, comment on sait que c'est à nous et pas à nous? Cela, 16. C'est à nous. Vendre. Vendre. Valeur. 270 000 balles. Hein. Acheter, non. Ok, donc on peut acheter des parcelles. Là, c'est toutes nos petites boutiques. Cimentière, acheter. Silo. Une vieille ruche. Bon, je sais pas où je suis là. Ah ok. Ah oui d'accord, tu peux vraiment... ok. Mais attends, il y a encore du blé là? Ah non, ça repousse. Attends, le blé repousse direct? Ça fonctionne. J'aimerais bien parler au mec là, à l'autre ouvrier. On a du bétail ici. Bon, comment il nous a mis notre colza lui? On vérifie le travail évidemment. Ok, ça me paraît pas trop mal. Donc là on est d'accord qu'il faut... Je sais même pas s'il est... s'il l'a mis le colza en fait. Comment je sais? Colza. Parce que avant le colza du coup, attends, on se fait colza. Là on a jusqu'à fin août pour le... Ah non, on a jusqu'à fin septembre pour le planter, le colza. Sinon, on a blé et orge. En septembre. Ah ouais, d'accord, ça met 6 mois. C'est long. Sac de riz. Alors du coup, le blé, il a combien? Il a 734 balles. Colza, il est à 1003. On a dit quoi? Blé, et il y a de l'orge aussi, je crois. Ça, de l'orge. On ne peut pas cliquer dessus directement pour voir le prix, non. Orge. Il a 600. Ok, donc c'est le colza qui vaut le plus cher. Vas-y, on va se mettre full... Je reviens de ma pause club. On a fini le tuto. J'ai pas tout pigé, hein, je vous avoue. Besoin de chaud. Récolter. Croissance en cours. On avait pas mis du colza là? Lit de semence. Une fois qu'on a mis la semence, on laisse pousser le truc? Croissance en cours, prêt à de récolte, récolter, retirer des fans. Fané. Labourer. Labour superficiel. Ah non!
Pourquoi ils me disent dans Farming Simulator 22? Ils se foutent de ma gueule, on a le 25 quand même. C'est quoi le chaulage? Ah, répandez de la chaux tous les 3 récoltes. Pour gagner un bonus de rendement de 15%, les informations champ indiqueront un besoin de chaux dès que le champ doit être chaulé. C'est ça, chaulé? Vous devez acheter de la chaux en palette, magasin, en vrac. Okay. Vous avez besoin d'un épandeur à grès. Vous pouvez remplir à chaux. Notez que les, dans les modèles ne peuvent pas servir. Icône de chaux, ok. Vous pouvez augmenter le rendement de votre récolte en épandant de l'engrais sur vos champs après les avoir ensemencés. Épandez deux fois de l'engrais, plus de 3%, pour atteindre une fertilisation maximale. Vous pouvez activer un taux d'application double pour l'engrais biologique afin d'atteindre une fertilisation maximale, mais cela prend plus de temps. Ok. Très vite pour enlever la mauvaise herbe, l'utilisation d'une sarcleuse ou d'une houe ou de la pulvérisation d'herbicides. Les sarcleuses n'enlèvent que les petites mauvaises herbes et il faut donc être rapide. Avec une houe, vous pouvez enlever les mauvaises herbes et petites et grandes, tandis qu'avec un pulvérisateur, même les plus grandes peuvent être pulvérisées. Mais il se peut qu'il en reste encore. Si vous commencez à pulvériser que lorsque les mauvaises herbes ont complètement poussé, vous pouvez acheter de l'herbicide en palette au magasin pour remplir votre pulvérisateur. Vous trouverez le pulvérisateur sous catégorie. Ok. Donc là, de ce que j'ai compris, faut d'abord que je mette de la chaux. Si vous me suivez bien. La récolter. Donc l'étape c'est labourer. Moi je comprends pas, le mec il m'avait mis du colza à me donner, non? En fait, c'est ça que je comprends pas. T'as quoi comme matos ici? Il m'a rien fait du tout le mec en fait. C'est quoi là-dedans? Super, on a que de la merde. On a un champ ici, ouais. Là, ce champ-là, il n'y a rien. Faut que je lise des étapes, j'ai pas envie de faire de la merde. Amélioration du rendement. Croissante nananana, culture arabe là. Une déchaumeuse en chien. Avant de commencer à semer vos cultures, ouais. Ces accessoires doivent être abaissés pour travailler, ok, ce qu'on a fait tout à l'heure. La broche est nécessaire par laquelle après la récolte. La charrue peut être aussi créée de champs. Nanana, utiliser une charrue empêche de mauvaises herbes de pousser. Semis et plantation. Votre machine.
Avec la semence d'une palette, ok. Selon la culture, vous devez semer, abaisser la machine, démarrer, nanana. Vous pouvez acheter des palettes, nanana. Une possibilité de faire sauter vos graines semi-direct. Utiliser des machines d'ensemencement direct pour gagner du temps, mais garder toujours l'esprit que vous procédez à créer des mauvaises herbes plus rapidement que le travail préalable au sol. Ok. Alors, comment commencer? Si vous voulez faire des travaux agricoles classiques, vous devez vérifier les menus, dans les prix des cultures, il rapporte de l'argent. Si vous voulez posséder des animaux, vous pouvez avoir plus d'informations. Si vous voulez faire civiculture, vous pouvez également consulter les contrats disponibles. Non, non. Il y a une seule bonne façon de faire, mais de nombreuses possibilités. Si vous voulez choisir votre objet est de gagner de l'argent, de payer des machines plus grandes, de construire une exploitation qui vous plaît. En mode nouveau fermier, vous commencez avec des quelques machines qui vous permettent de démarrer immédiatement. Tâche-tâche à accomplir le processus de l'agriculture. Ouais. Ouvrier, travailler sur une exploitation, ce n'est pas du tout. Heureusement, vous pouvez recruter la main-d'œuvre pour vous aider pour ce faire, bien sûr. En forme de volant, nananana. Il existe plusieurs types. Allez, charger, livrer. Ok. Ça fait beaucoup d'infos au début, hein, quand même. Oula. Du coup, c'est quel tracteur pour... Donc là, on doit déchaumer, c'est ça, hein? Allez, on l'attelle. Donc ça, pour moi, faut labourer celui-ci. Je trouve que je fais de la merde. Et là, d'après le plan, je suis dans un champ qui a rien. Labourage, labourer. Vas-y, on va voir. Alors, baisser le cultivateur. On peut pas faire mode ouvrier là. C'est quoi le bleu? Ça représente quoi? Qu'est-ce qu'il continue de bosser là-bas? Ouvrier, oui. Nombre de tournières. C'est quoi des nombre de tournières? C'est quoi des tournières? Fournière. Ah, c'est ça. On avait une fournière est une bande de terre située à chaque extrémité des raies de labour où on fait tourner les engins agricoles. Cette lisière de champs labourés en travers ou non labourés porte différents noms selon les régions, fourrière, chien, troufetel.
4 tournures, ça. 1, 2, 3, 4. Là, lui, c'est l'ouvrier, du coup. Je vois comment il bosse quand même. Ok, là il fait ses bails. J'ai l'impression qu'il a pas semé le colza là. Qu'est-ce qu'il branle? Un 23 balles de paiement de salaire. Ah oui, là il bosse. Ok. Ok, donc lui il bosse. Moi je peux faire quoi avec ça? J'ai l'impression que je vais pas pouvoir semer. R. On va la... peut-être la ramener. Non, ça faut peut-être la mettre là-bas, faut peut-être la remettre sur la remorque. Ah mais du coup en fait il me faut un deuxième tracteur là pour que... Faut que j'en ai au moins un pour semer, un pour labourer, sinon ça va être chiant. On va s'acheter un nouveau tracteur, j'espère que ça coûte pas trop cher. La vis. Laisser la barre de coupe, activer, activer la mousson, dépiler, viser ses changements, plier. Comment je la remets là-dessus? C'est la coupe, chose incroyable, nanana. Déplier, activer la moissonneuse batteuse. Je peux pas le remettre sur la... Déplier le vis de chargement, non. Activer la moissonneuse batteuse, non. Désactiver les... non. Baisser la barre de coupe. Je sais pas si on peut la remettre là-dessus. Hein. C'est pas me dire dans le chat. Bon, ok, donc il nous faut un autre tracteur pendant que l'autre il bosse là. Fait tout le champ. Comment on s'achète un tracteur? C'est du contrat. Des petits contrats à droite à gauche. Véhicule. Oui, il me faudrait un comme ça. Un John Deere. C'est ça qu'il nous faut, 86%, 18 000 balles. Ouais, bon, on va se prendre lui. Hein. Un petit John Deere.
Ah non, c'est ce qu'on a. Véhicule. Ah merde. Croissance, composition est seule, importante terre. Bruit actif, ok, croissance. Ah c'est ça, c'est qu'en fait il a rien semé tout à l'heure, c'est bien ce qui me semblait. Louer train. Pourquoi j'aurais besoin du train? Production. Son de chargement. Autre. Ah, véhicule. Non, ça c'est les trucs que j'ai déjà. Les amis, on peut pas acheter des... des véhicules? Un tracteur joué, super. Ça, c'est les chaînes de production disponibles, vache. Manuel finance statistique prix. Donc lui bosse bien. On va regarder déjà ce qui se passe là. Animaux, santé 0%, merde, au 0 litre. Ouvrir le menu animaux. Ouais. Parce que l'outil marche, je suis sûr. Nourriture, oh. Peut-être leur donner de l'eau à ces pauvres bêtes là. Qui s'en occupe? Qui s'occupe de cette ferme là? Mais c'est dingue. Alors peut-être qu'ici on peut acheter des outils, non? Bon, je visite hein, parce que je comprends pas tout. C'est bien, on laisse quelqu'un bosser. Là c'est quoi, dormir? Non, peut-être pas dormir. En fait, je comprends pas où est le menu. Le menu boutique. J'ai loupé un truc là. J'ai loupé un petit truc. Production animaux. Contrat autre. Ah, négociant de bétail. C'est qui Cathy? Visiter. On va visiter Cathy, c'est un peu bizarre de dire comme ça quand même. Bonjour Cathy. Oh, hi. Ah, vous êtes, ouais, machin. Ouais, moi aussi, ça fait plaisir de te voir. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Bon, on s'en fout, j'ai repris la fin de mes parents, on s'en fout. Ouais. Je viens de me présenter à mes voisins. Là, je peux vous donner des conseils importants. Avec toute ma vie, avec les animaux. Ah! Parce que je parcourais le monde. De la faune locale. Super, mais elle est intéressante ta vie, meuf. Mais je devais peut-être lancer un podcast ou non. Je suis sûr que nous aurons l'occasion de discuter à nouveau. Ok, super. Merci, madame. Tu m'as été d'une grande aide. Ah, en fait, il faut peut-être aller voir les bonhommes. Là, il y a Walter. Ah, c'est Ben qu'il fallait aller voir. Voilà. Bonjour, Ben. C'est toi qui va me.
C'est toi qui va me dire quelque chose d'intéressant. Ben, mais qui voilà? La dernière fois qu'on s'est vu, tu jouais avec des bouses de vache. Merci de déballer ma vie comme ça devant tout le monde. Je m'appelle Ben. J'ai besoin d'aide, ouais, on parlera une prochaine fois. Très bien. Tu es genre pragmatique, toi. Pas le temps pour les sentiments. J'ai besoin d'aide pour les cultures, j'ai besoin d'aide... Ah. Oula. Céréales. Ouais, techniquement, le soja de l'un, tu peux faire une base de l'un. Coupe, mais c'est tout, mais en fait c'est un tutoriel en vivant, mais je m'en fous. Créer des prunes pour utiliser les sites, tu dois augmenter le rendement de tes récoltes. Il existe des méthodes chômées, fertiliser, pailler, utiliser un rouleau, des herbes, ok. Même une opération qui augmente le rendement, tu revenu augmente également d'un certain pourcentage des expressions viables sur ce cap des points de type d'accueil d'un certain nombre de paramètres. Le tableau géré. Pas toujours nécessaire, parfois les mauvaises herbes ne posent aucun problème et les pierres n'apparaissent pas systématiquement. C'est pas étape ce qu'il convient de faire. Si tu t'améliores, à ton rendement, manque de temps ou d'argent, ta ferme s'en remettra, ne t'en fais pas. Bah non, elle s'en remettra pas. Alors, ok, si je veux faire. Besoin d'aide pour les cultures. Si je veux. Céréales. Cultivateur pour préparer le champ avant de semer, ouais. Pour labourer ton champ, sers-toi d'une charrue ou mieux d'une sous-soleuse qui a l'avantage d'être rapide mais aussi moins cher. En semant à graines, il faut servir des pendeurs à engrais, de l'engrais et de la chaux pour augmenter ton rendement, voilà. Pour retirer la mauvaise herbe qui apparaît invariablement, tu prends une sarcleuse quand le rendement s'en sera affecté. Tu auras besoin d'une moissonneuse batteuse et tout ça, c'est ok. C'en est bon. Bah c'est tout ce que j'ai compris, mais c'est on lâchait tout. Avant de commencer, consulte le calendrier des cultures, très bien, ainsi que la période de plantation. Ça j'ai compris. Première étape consiste à chauler. Amender le sol à l'aide de chaux permet d'améliorer le rendement. Ok. La deuxième étape consiste à ameublir la terre. Ah. Consiste à semer. Après avoir attelé le semoir nanin, dirige-toi à culture. Apprendre de l'engrais pour augmenter le rendement. Rempli un épandeur d'engrais. Ok, la cinquième étape consiste à désherber. Step 6. When you are done, unload the harvest into a trailer by extending the. Store it, sell it. Stocker de la vente, nanana. Check the crop calendar and. Step 1. Attends, je vais me le noter, les gars, parce que. J'ai zéro mémoire. Trop d'infos pour moi là. Choler, 2, ameublir la terre, cultivateur, semer, agriculture, non. Ouais. Now you sow the grain, one row at a time. Step 4 is fertilizing to increase the yield. Fill a fertilizer spreader with fertilizer and apply. Step 5 is weeding using a mechanical weeder. Get rid of weeds when they appear on the field. If they grow further, you need a hoe. Step 6 is harvesting. Hop into your combine harvester. Recover nanana. Ouais, mais dans tout ça, on sait toujours pas comment on achète des machines. Station essence, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Rien à faire. Vous, monsieur, rien à foutre, le mec. Rien à foutre de moi. David.
Et quoi, David? Hey there, I'm David. Call me Dave if you want to. Don't have to. I'm happy. Well, especially since I... What brings you here, buddy? Ouais, bla 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 bla. Super. Bon, lui, il fait toujours sa petite life. Heureusement que lui, il bosse. Hein. Pour l'instant, je suis pas très productif, je vous avoue. En fait, je peux pas acheter de bouffe. Je sais pas où on achète la bouffe. Silo est vide, ouais. Sélectionnez le produit et quantité que vous voulez acheter. Oh, ça coûte cher. Comment on voit petit réservoir de mine? Ouais. On se balade, hein, mais... Je peux pas acheter de bouffe pour les animaux. C'est fort, ça. J'ai l'impression que je peux pas acheter de bouffe. Eh papy là, tu m'as pas tout... Il t'explique juste de... les champs et c'est tout. Je peux pas acheter de tracteur, pourtant j'ai 100 000 balles. Papy là, il me faut... Sure. A couple of people and talk to Katie. Elle veut du coin, elle fait un compétent charismatique, ok. She can tell you about different kinds of life. A couple of people in town. Sure, kiddo. Although your old grandpa may not be up to date with some things and... Je parle à Ben. Mais Ben, il m'a déjà tout dit, en fait, Ben. Got it, or shall I repeat? Depending on the type, solid fertilizer, liquid fertilizer is used in combination with spray. Slurry and manure are produced by your cows and pigs. You need a... If you want to know how to produce fertilizer efficiently, talk to Katie. Digestate is a free byproduct you get when you... Here's something special. Catch crops. A great way to fertilize your fields. You can get cultivate over the oil seed when it's fully grown to fertilize your soil. Then, that's it. Choose your fertilizer wisely and depending on what type of operation you run.
Beginners should go for solid fertilizer applied with a spreader. En fait, station de rechargement. Ah. En bois long, planche et planche. Ouais. Ça me ronfle les amis là, c'est... je suis teubé ou... Station de déversement, ouais. Oui, vraiment. C'est gentil ça. Voilà, voilà, voilà. Moi, je veux juste acheter un deuxième tracteur comme ça. Il y a un ouvrier qui bosse et moi, je peux bosser un autre champ, en fait. Mais c'est ouf de pas pouvoir... Il n'y a pas de boutique. Il n'y a pas de... Bah attends, c'est un délire. Je vais mettre comment acheter un tracteur sur simulateur. Comment acheter un tracteur. J'ai des menus que j'ai pas. Je vais aller dans aide, il doit y avoir un truc dans aide, c'est pas possible. Nanana. Plombage, élimination de mauvaises herbes, chaulage.
Avec le, les machines de chargement, vous pouvez transporter, charger, décharger des marchandises comme exploitation. Nanana. Objets, création. Ils disent acheter une chargeuse avant dans la catégorie des véhicules de la boutique. Quelle boutique, les amis? Ah, dépenser de l'argent. Faut acheter de nouveaux véhicules et outils chez le concessionnaire. Visitez le magasin directement via la carte. Et puis à la touche des items pour voir le menu du magasin à tout moment. Les équipements sont divisés en catégories. Ah voilà. Le concessionnaire. Il y a Noah. Louer un train. Entrepôt. Ah putain, c'était là. Concessionnaire. Eh bah oui, je suis con, je suis débile. Hein. Ok, donc ici. On a des planches. Vêtements, tissus. On a des seaux. Des œufs, du miel, des machins, des fromages, du sucre, des céréales. De l'huile, des céréales, mais on a tout un tas de choses qu'on n'a pas besoin là, dites-moi. C'est quoi ce menu dégueulasse? Leche. Mais... pas ce bordel. Corps de ferme. Ça c'est chez WAM. On a le concessionnaire. On achète tous les graines du coup. Vas-y, on va racheter une machine. Une petite machine. Attendez, ce j'ai un peu chaud là. Oh. Ouh. Et un petit peu chaud. J'arrive dans deux petites secondes. Donc là, on peut enfin acheter des machines, du coup. Voilà, c'est ça qu'il nous fallait, une voiture à vélo, Balek. On peut s'acheter des Porsche et tout ou pas? Non, camion. Oh shit. Ah. Moins 48%, moins 49%. Moi, j'ai pas les thunes. Non, je veux pas les terres.
Ah oui. Construction. J'ai l'impression que tout coûte une... Tout coûte une blinde, hein. Négociant bétail, véhicule, en promotion... Je sais pas ce que, à quoi ça me sert, ça. Ah, voilà, big bag. Palette de big bag. Ah, bah voilà, il me faut de la chaux, de la semence... Il me faut de la chaux aussi, du coup. Acheter deux, vas-y. On va acheter du... On n'a pas de cochon. Blé pour les poules, on n'a pas de poules. Les palettes, on va pas pouvoir aller les chercher. Je pense. Petit tracteur, tracteur moyen. John Deere. Ah, on n'a pas l'étude. On va prendre un petit tracteur du coup. Ils font tous le même taf ou... Marquer des outils. Vendredi. Est-ce qu'on se rachète un tracteur du coup? Ça le... J'hésite à me reprendre celui-là. Attelage pour charger en avant. Ça peut peut-être être pratique. À quoi ça sert d'avoir des roues? Putain, c'est ouf, hein, tu peux tout personnaliser. C'est bon, il faudra ramener la remorque. Oh, attends, parce que j'habite où, moi. Je suis à la caméra. Ok, on va ramener le tracteur.
on aura deux tracteurs pour... J'espère que c'est le même en vrai. Ça a l'air d'être le même. Allez go. Petit raccourci par la route, hop. Putain, on a que 38, l'enfer. Il fait pas le... Moi, je comprends pas pourquoi il fait pas tout le champ. C'est bizarre. Du coup, faut qu'on retourne au magasin qui est... Ah, je peux pas mettre un point. Naviguer, menu nanana, zoom sur la carte. Point important. Entrepôt. Concessionnaire. C'est chez le concessionnaire que t'achètes tout. Quoi. Bon, on va voir, j'espère qu'on peut mettre l'engrais là-dedans, dans la remorque. Sinon j'ai le seum. J'ai fait un détour là. J'ai l'impression que j'ai fait un gros détour. Allez, c'est parti. Comme ça on chaume, on met de l'engrais. Faut qu'on mette nos récoltes, sinon c'est plus bon là, on est... Je sais pas combien de temps dure le mois d'août du coup. De temps. Parce que 24 minutes, c'est pas une journée. Merde. Bon, y a plus de panneau stop. Monsieur le maire, il faut en remettre un. Et Alfred, tranquille. Elle est un peu en freestyle. Hein.
Le temps est en x5. On modifie comment ça? Je suis complètement débutant. Hein. Tourne à gauche, monter la vitesse. Putain, on est en x0,5. Ah, échelle de temps. Ah ok, ça on peut le modifier. On est en x5, je sais pas si c'est bien ou pas. Dans quoi? Attends, mais là je suis en train de tout mélanger. Ouais, je comprends R. Comment on les transporte les sacs là du coup? Franchement le tuto il est un peu trop rapide à mon goût. Hein. T'es quand même bien en galère avec le jeu. Hein. Quand t'as jamais joué. Se remplit auto quand tu as. Quand tu. Aucun truc à la fois. Ah, j'ai l'impression que j'ai pris deux. Ah non, j'avais peut-être acheté deux sacs. Après, je le dépose où? Ah, peut-être dans mon silo. Ouais, le nombre d'allers-retours qu'il faut faire. Et donc du coup le x5 ça correspond à quoi? C'est-à-dire quand. Enfin ça correspond à quoi comme unité? Ça sera bien un sac auto, ok. Moi le panneau stop il nous fera plus chier. Moi je dis ça. Avance un peu plus vite. Ah, pourtant là 13 minutes 40. Ça correspond à quoi une journée dans la vraie là dans le jeu correspond à un mois? Est-ce qu'on passe au mois de septembre? Ah voilà, décharger ici. Ok, on va y arriver petit à petit. Pas sûr que c'est fait un sac là.
énorme, non? C'est normal que ça fasse ça? Et après, on les met comment dans des sacs? Deux sacs d'une tonne à chaque fois. Ah oh, mais là on est d'accord, ça fait pas de sac là. Oh merde. Ouh, l'accident était vite arrivé là. Et surtout, c'est comment je le re-récupère. Moi, c'est ça le mon point là. Ah ouais, d'accord, le mec il me double. J'ai failli faire un accident. Sinon. Ah, désolé, je regardais mon portable, l'ami. Attends, c'est résistant quand même notre acteur. Hein. Le panneau stop, on a bien fait de le péter. Ouais, mais du coup, on l'utilise comment après? On va voir. Toi, pendant que je suis allé chercher, toi, j'aurais peut-être dû. Pour éviter les gros allers-retours. Semence 12%. En fait, je vais peut-être en acheter d'autres. Ok, je vois. Merci, Alfred. Je vais reprendre de la semence du coup. Non, je veux pas des palettes. On peut pas pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut. À 12%, donc on peut encore en acheter 8. Bon, on va en acheter 7 pour être sûr. Ça, niveau semences, on est peinard. Autant faire un aller-retour. Ça, en revanche, niveau thune, ça va être compliqué. L'histoire. Allez, on remplit tout ça. Salut Birbrou, comment ça va?
J'ai bien fait de pas prendre un sac de plus, je le sentais. Ok, c'est 8 litres la remorque. On saura maintenant. Je sais pas, on peut voir ce niveau d'information. On fait un calcul savant, mais. Tu as joué à on a joué ce matin Planet Coaster, du coup, ça sera demain Planet Coaster, je pense. Là on découvre Farm Simulator. C'est pour les lags que je sens. Ça, il vient de sortir là à 14h donc. Les petits lags FPS. Moi aussi j'ai une bonne config, du coup j'ai mis en élevé. Et j'ai désactivé la synchro verticale et j'ai mis à 144 FPS. Je te le dis, ok. Bon là maintenant on sait que ça fait 800 litres. Enfin 8000 litres. Merci monsieur. Ça va, moi, hey, il est résistant le tracteur. Il est résistant le bougre. Donc, de ce que j'ai compris, les amis. Après, vous me dites si j'ai de la merde. Hein. Et là, il faut chauler. Avec de la chaux. Avec celui-là normalement. Là tu vois il a pas fini le mec. Pourtant on lui dit de tout faire, pourquoi il fait pas tout le champ? C'est chiant. On le paye pour faire un boulot. Et on va choler de l'autre côté. Je sais même pas ce que je ramasse, hein. Je sais pas ce que c'est ça. Merde. On est d'accord là, on met le ça. Tu détruis une ancienne culture qui est plus bon. Ah ok, d'accord. Ok, on est parti. On va l'appeler. Alors sélectionner la semence. Je peux pas prendre le truc de la chaux là. C'est pas la bonne machine. Ah, c'est pas avec un semoir, ils ont dit. Ah, c'est ce qu'il m'a dit le mec là. Ben. Monsieur Ben. Quand tu as une récolte, il y a plusieurs méthodes, labourer, chômer, fertiliser. Quand tu as les opérations, tu peux augmenter ton chômage, les opérations envisagées, ce n'est pas nécessaire, le besoin, non, non, non. Quand on discute de différentes récoltes, tu fais par étapes. Si tu n'améliores pas ton rendement, non, 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 non. Là, on a dit, j'ai besoin d'aide pour les cultures, on a dit céréales.
De quel équipement j'ai besoin? Te faut un cultivateur pour préparer un champ avant de semer. Te faut un semoir et des graines. Il faut aussi un épandeur à engrais. De l'engrais et de la chaux pour augmenter le rendement. Okay. Get a cultivator to prepare. If the field requires plowing, you need a seeder. You should have a fertilizer. Ah, c'est un épandeur à engrais qu'il me faut. Ok, Ben. Merci, Ben. Stay. Pas évident. Planteuse d'arbres, non. Une pailleuse. Planteuse de pommes de terre. Prairie, récolte de fourrage. Pulvérisateur, ah. Épandeur d'engrais, c'est ça qu'il nous faut du coup. Amazon? 25 000 balles. Alors comment on sait si elle est compatible ou pas avec, avec notre tracteur, les gars? 3 litres, 2. C'est moi aussi des rochers. 42 mètres de large. Non. 42 mètres de large. Ouais, 300 litres, c'est pas ouf. C'est seul à 45 000 qui te faut. Pourquoi c'est celui-ci et pas celui-ci? Ça, j'ai plus assez de thunes en fait. Regarde les pendeurs, ils te le disent en bas. Ah, là aussi? Là, ils te disent « Épandeur à engrais permet d'améliorer la récolte de vos champs. » Et là, ils mettent « Épandeur à engrais permet d'améliorer vos récoltes de vos champs. » Sauf qu'il y en a un qui met aussi les roches. Franchement, je vais prendre celui-là, en vrai. De toute façon, j'ai pas les thunes pour mettre lui. Les roches, c'est la chaux. C'est la chaux. Ah, ok.
Bah, c'est quoi ça du coup? C'est l'engrais. Ah, ça c'est l'engrais, ça c'est la chaux. Ok, vu comme ça, ok. Ouais, je vais faire un petit contrat pour me faire 5000 balles du coup. Ah oui, mais il faut m'expliquer les amis, moi je ne connais pas. Ok, je connaissais pas les bails. Ok, on va se faire un petit contrat. Il faut 5000 balles, tiens, il y a un contrat 5000 balles. Utilisez votre équipement ou louer en moyennant une diminution de votre récompense. Ah les chiens! Non, j'ai pas ce matos là. Fausser l'herbe sur le champ à l'aide d'une faucheuse. Oh putain. Ça c'est à l'avant, ça c'est à l'arrière? Bam. Ok. Ok, c'est parti pour notre premier contrat. Ok, nice. Putain, il speed celui-là. Comment on y va? Oh, le détour, le chien. Droite. Bah, pour l'instant, j'aime bien. Là, c'est juste, c'est pas très facile quand tu t'as jamais joué, que t'as pas trop de connaissances en agriculture et tout. Je trouve qu'on te laisse un peu... peu livré à toi-même quoi. Bon après c'est que j'ai eu du mal à chercher 2-3 trucs mais bon Salut Reality tranquillou. Mais sinon bien, j'aime bien. C'est chill. Ah, le titre est pas bon. Je me demandais si tout à l'heure je l'avais modifié mon titre. Merde. Merci bien. Je me posais la question. Oh merde! J'ai pris le poteau. Tournez où là? Ah oui, bah c'est là qu'il fallait qu'on tourne en plus. Vous en pensez quoi là dans le chat pour l'instant? Grosse mage en décembre! On prévoit quoi en décembre du coup? C'est dans 2 semaines quand même. Hein. Même plus 18 jours, c'est dans 3 semaines. C'est long. Hein. Long 3 semaines. Je trouve. Oh les panneaux stop, ils sont. Oh, merde.
sont pas bien mis quand même. Oh là, j'ai avalé un panneau encore. Il est grand le champ là. Ok, on baisse. La faucheuse. C'est pas ce que j'ai devant, ouais. Attends, mais le devant, on l'active comment, bordel? Lever. Ah, c'est ça le fameux G, ok, c'est le G. Ah voilà. Ok, j'ai compris. Ah c'est bon, on a tout. Top, faire devant, derrière, à droite, à gauche. Pas évident. Bah là, 2 heures de jeu, je n'ai pas le temps de faire grand chose. J'aime bien, tu vois, il y a plein de choses à faire. En fait, le jeu a l'air assez complet. Tu peux faire pas mal de choses, donc de bonnes perspectives en vrai pour l'instant. Je le trouve assez bien fait en vrai. Bon, on va se faire 5000 balles, on va pouvoir s'acheter notre... Alors, je pense qu'il va falloir faire un autre contrat. Après c'est juste un peu compliqué je trouve. Dans le sens où on te laisse un peu tout seul. Oh la montée là, oh le faux plat, on le sent. Ouais, on va à droite, ouais, j'ai vu que j'ai le pourcentage mince. Peut-être ratisser un peu plus large en faisant. Voilà. J'aime bien parce que limité gratuit, mais sinon j'aime pas trop faire les choses. Ah oui, après c'est un gameplay qui change. Après t'as tes employés, tu peux quand même gérer avec tes employés, j'ai l'impression. Oh, c'est satisfaisant et chill, je trouve, de la bourrer les petits champs là. Je sais pas si j'y jouerai 50 heures quoi. Pour voir un peu comment tu peux automatiser un peu le truc.
Ah, on a fait la moitié. On a fait que la moitié pour l'instant. Il galère dans la petite côte là. J'ai plein d'endroits que j'ai loupé. Ah, je laisse des petites crottes de... Ouais, je faisais un peu avec... Oui, c'est ça, après tu peux faire soit les champs, après tu peux faire soit plus les animaux... C'est un peu toi qui choisis finalement. Le contrat dans le champ 11 est terminé à 60. Ok. Il faut faire tout le champ, faut pas faire que 65%. Normal, faut jouer beaucoup. Bah ouais, c'est ça, faut beaucoup farmer quoi. Je sens qu'il a manqué quelques pourcents là à cause de tous les petits endroits là que j'ai mal fait. Après c'est pas un peu d'herbe qui va non plus. Là tous ceux que j'ai loupé. Repartir au droit. Et ceux qui jouent un peu, vous conseillez quelle vitesse de jeu ? Là, moi je suis en x5.
pas mal de viewers. Bah parce qu'il y en a beaucoup qui sont en lurk, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est que en fait, il y en a beaucoup qui laissent tourner, mais en fait ils peuvent pas trop participer, ils travaillent à côté ou ils font autre chose, etc. C'est toujours évident. Puis il y en a, ils aiment pas aussi, même s'ils sont dispo, ils sont... aiment pas forcément parler dans le chat, tu vois. Il y en a, ils aiment bien juste. Juste regarder tranquille. Puis après, bon, y a quand même des moments où c'est un peu plus calme, hein, c'est pas grave après. Après, chacun fait comme il le sent en soi. Y a pas de règle. J'ai fait pas mal d'endroits quand même. Hein. Je sais pas si ça fait partie du terrain ça. Ils sont aussi. Contrat terminé. Après j'en fais quoi du véhicule? Je le laisse là ou... Faut que je le ramène. Mais en x5 c'est bien, ok. Ouais, la voix, attends. Attends, si on fait mode ouvrier. Là, quand j'appuie sur l'ouvrier, je sais pas si je dois le ramener là, les gars, ou pas. J'ai l'impression. Non, c'est pas moi le tracteur. Je l'ai loué pour la mission. Je ne sais pas du tout si je dois le ramener ou pas. C'est marqué quoi dans le contrat? Terminé. Récupérer. Ah ok, ça m'enlève le tracteur direct quand je récupère. Ok, il me manque encore 300 balles. Je fais juste une toute petite coupure YouTube. On s'arrête là pour l'épisode 1 et je mettrai un deuxième épisode pareil de 2-3 heures de gameplay. Comme ça, vous aurez entre 4 et 5 heures, je pense, de gameplay sur YouTube pour faire un avis un peu sur le début du jeu. Donc, merci d'avoir regardé ce premier épisode et on enchaîne directement avec un second épisode. C'est parti.